Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors excuse-moi si j'ai un peu une voix de canard ou de Robocop, je sais pas pourquoi, mais j'ai chopé la crève. Comme beaucoup de gens en ce moment à mon âge, je sais pas exactement ce que j'ai, j'en sais rien, mais je m'en fous complètement. J'ai mal à la gorge, j'ai un nez enrhumé, mais un truc de dingue, et j'arrête pas de tousser. Voilà. Et ça risque de durer très longtemps parce que je me soigne pas. Je déteste les médicaments. J'ai horreur de ça. C'est tout ce qui agit sur le corps, hein. Les médicaments, la drogue, l'alcool, la cigarette, tout ça, moi, je suis contre tout ça. Je déteste. Donc du coup, je vais avoir la crève pendant un petit moment. Pardon. J'y suis pour rien. En plus, je suis crevée, je suis naze, j'en peux plus. Parce que je dors super mal la nuit à cause de ça. Mais bon, tout va bien. J'ai un petit peu chamboulé mon salon. Ça se voit peut-être pas, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai dû décaler un peu la caméra. On s'en fout. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes créations du mois de mars. Il y en a quand même pas mal, alors je vais essayer de faire vite. J'aimerais bien battre tous les records et puis faire une vidéo super courte. T'as le droit de te foutre de moi. Donc aujourd'hui, on est mardi et tu verras cette vidéo-là que le vendredi. Comme à chaque fois, je filme toujours mes vidéos le mardi parce que c'est le seul jour où je peux faire. Donc ben voilà. Et là malheureusement, aujourd'hui, il pleut. Donc tu m'excuseras pour la qualité quoi. Pour l'éclairage. Ouh, il était parti loin, tu vois. Donc du coup, quand tu verras cette vidéo là vendredi, tous les bijoux que je vais te présenter là seront déjà disponibles sur un boutique. Alors tu peux aller faire un petit tour, hein. Ça me ferait plaisir. Tous les liens sont en barre d'infos. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos. Donc vas-y, va faire un petit tour. Ce serait tellement mignon. J'ai failli être en retard encore une fois sur cette vidéo là, comme le mois dernier. J'ai poncé mes bijoux hier seulement. Hier j'étais encore sur les dessus. J'ai fini le ponçage et le montage pour pouvoir faire cette vidéo là aujourd'hui. J'en ai galéré, hein. Waouh! Ah, le ponçage à la main, putain, c'est bien galère. Hein. Surtout avec toutes les pièces que j'avais à poncer. J'en pouvais plus. Faut vraiment que je m'achète une Dremel parce que ça fait bobo aux mains. Ils sont énervés encore. Bon bref, on s'en fiche, c'est une petite apostrophe. Voilà. Et j'ai encore plein de super glu sur les doigts, c'est horrible. J'arrive à enlever ça avant de vous montrer les bijoux parce que sinon ça va faire dégueulasse. J'ai quasiment plus de chaîne. Donc du coup j'ai monté la plupart de mes bijoux avec des rubans. Et du coup j'utilise plein de super glu pour que ça tienne bien. Et sauf que j'en ai plein sur les doigts. Alors ce mois-ci, je t'ai fait plein, mais plein, mais plein de tutos, un truc de dingue. Et il y en a que je peux pas te montrer encore parce qu'ils sont pas terminés entièrement. Donc pour l'instant, je te montre seulement ceux qui sont terminés. Voilà. Je suis un peu à l'ouest là. Putain, ça reste... La vidéo elle risque d'être pire que d'habitude. Oh la vache. Bon, allez, on est parti. Comme d'habitude, j'ai fait plusieurs petites catégories de bijoux, donc on va commencer par la première qui est le tout et n'importe quoi. Tout est mélangé dans cette catégorie-là. Voilà. Et je m'aperçois encore une fois que j'ai fait beaucoup de choses dans les tons bleus. Hein. C'est dingue ça quand même. Donc on commence avec ce premier bijou, une pièce de puzzle comme j'avais fait le mois dernier dans un style steampunk. Et là du coup c'est très nature avec plein de petits papillons. Voilà. Et... le collier s'emboîte parfaitement avec l'autre pièce que j'avais faite justement. Et voilà, je vais continuer sur cette lignée là et je vais faire plein de pièces de puzzle qu'on peut assembler. Ça va être rigolo. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit collier là. Donc, je suis pas spécialement fan, mais bon. Voilà, je me demande quand même. J'avais réalisé une canne fleur et du coup, j'ai essayé de faire un petit bijou tout simple avec. Ensuite, il y a celui-là avec un esprit un petit peu ethnique. On va dire ça comme ça. Voilà, 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 voilà. On continue avec celui-ci qui est tout des papillons roses. Moi qui déteste le rose, j'y fais quand même un collier rose. Mais j'ai fait des papillons, donc c'est bien.
une toute petite micro paire de boucles d'oreilles papillon. Il faut d'ailleurs que j'en fasse d'autres parce que ma fille veut me les piquer, comme à chaque fois. Du coup, il faut que je m'amuse à faire plein de petites paires de boucles d'oreilles comme ça. Ensuite, là, je suis partie en freestyle, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, bah, finalement, j'ai obtenu ce petit collier-là. Encore une fois, en rose. Ensuite, une petite paire de boucles d'oreilles avec des pétales de rose, ou de pétales de fleurs tout simplement. On enchaîne avec ce petit tableau féerique, avec une petite porte féerique, des champignons et un petit papillon rouge. Dans un cadre en résine que j'ai fait il y a très très longtemps. Toujours dans les tableaux féeriques, j'ai celui-ci avec une petite fée assise sur un champignon avec plein de feuillage tout autour d'elle. Et toujours dans un très ancien cadre en résine. Et c'est pour ça que je l'ai monté en sautoir. Dans cette catégorie là, une petite fée papillon dans les tons rose et vert, et toujours avec un cadre en résine qui date d'il y a très longtemps. J'ai énormément de cadres en résine comme ça que je sais pas comment m'en servir, et puis pas là, au fur et à mesure du temps j'arrive à trouver des petites solutions. Avec la deuxième catégorie de bijoux, j'en ai combien? J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là c'est la deuxième, et c'est tout simplement des bijoux façon attrape-rêve avec des estampes filigrane et avec plein de petites plumes, avec plein de petites breloques, et puis à chaque fois c'est un ruban en cordon en suédine. Voilà, ils sont tous plus ou moins pareils, c'est la couleur qui change. Et petite apostrophe, le blanc et ouais, gris argenté, je l'ai gardé pour moi, mais je te le montre quand même. La catégorie suivante, c'est des bijoux avec la technique de Bettina Walker, que je vous ai fait aussi en tuto. Et donc là, on retrouve 4 petits colliers. Mais j'ai fait que des colliers. C'est dingue, je ne fais que des colliers. C'est abusé quand même, hein. Faudrait que j'essaie d'agrandir tout ça quand même. D'agrandir la famille. Il n'y a pas que les colliers dans la vie, hein. Bon bref, regarde. Thank you.
suivante, on me l'avait demandé en tuto, et ben voilà, je me suis exécutée. J'allais dire exaucée. Et donc j'ai réalisé des bijoux avec l'effet mosaïque. Patchwork plutôt. Je dis des conneries. Non, c'est oui, pardon. Je reprends. C'est des bijoux avec la technique du patchwork. Voilà. Donc on retrouve deux colliers dans les tons roses. Et un bleu avec une petite paire de boucles d'oreilles. J'hésite, je sais pas encore si je veux l'offrir en cadeau ou si j'en fais une parure. J'en sais rien encore, mais t'auras la surprise sur la boutique. Voilà, bon bref, du coup voilà, plein de petits bijoux avec un effet marbré. Et je sais pas encore quand est-ce que le tuto apparaîtra, j'en sais rien, mais bon bref, tu verras au moment venu. Dans ce tuto là en fait, j'ai fait plusieurs versions différentes de cet effet marbré. Comme ça, bah, tu pourras trouver celui que tu préfères, tout simplement. Voilà. Et après tu verras aussi qu'il y a des degrés de marbré, je sais pas si je peux dire ça comme ça, qui sont plus ou moins intenses. Il y en a qui sont plus marqués que d'autres. Voilà, c'est comme ça, c'est chacun son style, tout le monde trouve son bonheur. Et c'est parfait comme ça. Bon bref, du coup, voilà, là j'ai fait plusieurs petits colliers, comme d'hab. Et je te montre ça tout de suite. Donc je commence avec mon petit chouchou, c'est ce petit sautoir avec une belle bouboule qui m'a donné pas mal de fil à la retorbe pour poncer. C'est vraiment chiant à poncer les perles comme ça. Donc bref, voilà, une belle perle avec un effet marbré qui est vraiment très prononcé. Avec un petit pompon et puis voilà, tout le tralala. Et lui, c'est vraiment celui que je préfère. Ensuite, on retrouve ce petit collier-là. Ben voilà, je sais pas quoi dire de plus. Avec la dernière collection qui est sur le thème de la mer. Je sais pas.
paraît, ça, je fais énormément de bijoux sur ce thème-là, je sais pas pourquoi. Non, mon signe astrologique, moi, c'est le taureau, hein. L'eau, c'est pas non du tout mon élément, hein. Moi, c'est la terre, hein. Mais bon, j'adore faire des bijoux sur ce thème-là, donc voilà. Donc on commence avec ce premier collier-là, que j'ai fait comme précédemment, avec les formes d'amande que j'ai mis en largeur plutôt qu'en longueur. Je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Ensuite, il y a celui-ci en forme triangulaire avec des petites breloques, bah, sur le thème de la mer, justement. Voilà, voilà. Il manquait un voilà depuis tout à l'heure. Ensuite, bah, pareil, une simple petite pastille, comme ça, tout simplement. Moi, j'aime bien la simplicité. En fait, je trouvais que le pendentif était assez complexe, donc j'avais pas besoin d'en rajouter plus. Voilà. Et en cadeau, eh bien, j'offre cette petite paire de boucles d'oreilles. Un bijou que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, je sais pas comment je peux appeler ça exactement, mais bah voilà. Je sais pas comment dire, c'est horrible. Justement, par rapport à ce dernier collier que je viens de te présenter, j'ai un petit doute au niveau du montage, parce que là je l'ai monté en ras-de-cou comme ça, dans le sens de la longueur, je vais y arriver, j'ai bugué encore, mais j'hésite à le mettre en pendentif en hauteur comme ça, mettre un collier tout simple et puis le faire pendouiller comme ça, je sais pas, je le laisse dans ce sens là ou alors je le mets comme ça. Là, j'ai un gros doute. Mais j'aime bien les deux en fait, donc je sais pas du tout. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Ce serait gentil. Et au moins, j'aurai la preuve que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, bref, donc bah voilà, j'en ai fini avec cette toute petite rikiki vidéo. Je crois que j'ai pas battu mon record, pas du tout même. Mais bon, bref, j'espère quand même qu'elle t'aura plu, cette longue vidéo. Avec ma voix de canard, bien, c'est super ça. Bon, ça va, la prochaine vidéo, je l'ai déjà tournée avant d'être malade, donc normalement, j'aurais pas cette voix-là. C'est bien, on s'en fiche. Bon, bref, ouais, du coup, je sais même plus où j'en étais. Je dis tellement de conneries, je sais plus. Bah, je vais me répéter, hein, tant pis. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux des tutos, bah, n'hésite pas à me le faire savoir parce que je te les réaliserai avec le plus grand des plaisirs. Faut juste me laisser un tout petit peu de temps parce que je suis pas... Voilà. Je finis jamais mes phrases, c'est dingue. Bah, encore une fois, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Bon bref, je répète encore. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as des idées de tutos, mais ça j'ai déjà dit, c'est bon. Mais ouais, je suis très longue à la détente, mais je finis toujours par les faire, c'est avec le plus grand des plaisirs, si je peux, hein, parce que voilà, je suis pas une experte non plus, hein, il y a des limites à ce que je peux faire, mais voilà, si je peux le faire, c'est avec le plus grand des plaisirs, et puis bah voilà, toi non plus, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce que je t'ai montré, hein, parce qu'il y a rien de glorieux, il y a rien de sorcier, c'est des choses qui sont assez basiques, il y a plein de défauts, comme à chaque fois, mais bah moi je te montre tout ce que je fais, voilà, que ça soit bien ou pas bien, et bah je te montre tout. Il y a plus de papier en couture, mais c'est pas grave. Et puis bah voilà, je crois que c'est le moment de se quitter. Hein. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'ai dû oublier certaines choses, mais c'est pas grave. Faut que je fasse une vidéo blabla, j'ai pas le choix, j'ai trop de choses à dire.
et je peux pas les dire dans cette vidéo là, donc je fais une vidéo blabla dans très peu de temps. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais bon, c'est tant pis. C'est... Moi j'ai besoin de m'exprimer, au moins je l'ai dit et j'ai plus rien à me reprocher. Enfin, j'ai reproche, mais bref, je suis compris, c'est tout sauvé. Donc du coup, bah, je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une des prochaines vidéos. Très vite, hein. Bah oui, il y en a une toutes les semaines, donc c'est très vite. Allez, bye. C'est enregistrant, il faut que je fasse pas la con. Je sais plus où j'en étais, mon chat m'a perturbé. Bah oui. Tu me sautes dessus? Allez, viens. Ah oui, viens, saute. Tu sais plus sauter? Ah mon kiwi. Vas-y, installe-toi, je t'en prie. Ah, les griffes, ça fait mal, mon chat. Oh, putain, ça grand bien. Tu descends? Merci. Oh, purée. Ah non, mais tu m'as fait mal, mon chat, là.